Salut les juristes, aujourd'hui on va étudier l'arrêt Perdereau, un arrêt important concernant la notion d'infraction impossible. C'est avec cet arrêt que la Cour de cassation a répondu à une question originale. Peut-on être condamné pour avoir tenté de tuer quelqu'un qui était déjà mort ? Mais avant tout, sache que nous traitons, chaque vendredi sur la chaîne, de nombreux arrêts importants pour t'aider à comprendre et à développer ta culture juridique en quelques minutes. La playlist dédiée au droit pénal apparaît en haut de ton écran. Les faits d'espèce sont les suivants. Lors d'un affrontement violent entre trois personnes, deux se battent et la troisième est en retrait. L'un des deux bagarreurs frappe son opposant avec une barre de fer avant d'appuyer de tout son poids avec la barre sur la nuque de la victime entraînant sa mort. Les deux hommes le laissèrent pour mort. Mais Félix Perdereau, qui pensait l'homme toujours vivant et pour en finir, revint le lendemain afin de tenter de l'achever. Il le frappa à coups de bouteille et l'étrangla sans savoir que la victime était déjà morte. Le 11 juillet 1985, Monsieur Perdereau est renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne, accusé de tentative d'homicide volontaire. Condamné, il forma un pourvoi en cassation afin de contester ce jugement. La question se posa alors, peut-on condamner quelqu'un pour le meurtre d'une personne qui était déjà décédée ? Petit rappel. La tentative, définie à l'article 121-5 du code pénal, vise l'infraction qui a été partiellement réalisée. Deux éléments matériels permettent de constituer une telle tentative. Commencement d'exécution, puis le désistement involontaire de l'auteur. Ainsi, en cas de tentative, l'infraction n'est pas consommée. Mais la volonté de l'auteur est intacte. On va donc considérer son iter criminis, c'est-à-dire l'intention coupable. Ce n'est pas le résultat qui est condamné, mais la volonté. C'est pourquoi l'article 121-4 dispose qu'est auteur de l'infraction la personne qui tente de commettre un crime. L'infraction tentée suit ainsi le même régime que l'infraction consommée, dès lors que le désistement est involontaire. Revenons à notre affaire. Sur ce fondement de l'article 121-5, la chambre criminelle de la Cour de cassation va ainsi maintenir la notion de tentative de meurtre. Elle énonce qu'il y a bien un commencement d'exécution, en l'occurrence, l'étranglement du cadavre. Donc, si l'infraction n'a pas été consommée, ce n'est pas à cause du désistement volontaire de l'auteur, mais uniquement la conséquence d'une circonstance indépendante de sa volonté, la mort préalable de la victime. Tous les éléments sont donc réunis pour procéder à la répression de la tentative de meurtre, quand bien même la solution peut sembler surprenante puisque M. Perdereau n'a en réalité tué personne. Voilà les juristes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager notre chaîne autour de vous afin de nous aider à la développer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit.